Alors, remercie les supporters, Yatehom Saha, c'est encore eux qui nous ont poussés et c'était magnifique. Voilà, Yatehom Saha, Jumaour. Après, pour le match, écoutez, les joueurs ont respecté la consigne, on les a bien harcelés, on les a pressés haut, évité qu'ils jouent long, et puis voilà. Et puis après, dans le jeu, insister sur leur côté droit, c'est ce qu'on a fait. Et je suis content parce qu'on a marqué 5 buts, voilà, dont 2 sur des animations et le reste sur coup de pied arrêté. Voilà, un match maîtrisé. Deuxième mi-temps, on s'est un peu relâché malgré tout. Voilà, le Niger a pris un peu le dessus, surtout au milieu de terrain. Sur la deuxième mi-temps, on est revenu bien sur la fin. Et voilà, l'essentiel, c'est la qualification en finale. C'est bon pour le moral de marquer autant de buts parce que voilà, il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ça. Donc les joueurs ont montré que, ben, ils avaient la capacité et je pense que j'espère que ce sera ce match déclic pour continuer dans cette lignée offensive. C'est mérité et moi je suis content surtout pour ce joueur parce que les joueurs Mehali ont toujours été entre guillemets pas assez exploités. On a apporté un certain professionnalisme, un certain respect à ces joueurs justement en faisant beaucoup de stages, en les faisant voyager, en les considérant. C'est des joueurs magnifiques. Franchement, ils m'ont facilité la tâche parce que c'est des joueurs qui sont très demandeurs, qui travaillent, aucun manque de respect. Dans un groupe, ça vit très bien, il n'y en a aucun qui chaîne neuf. C'est magnifique en tant qu'entraîneur, donc je les remercie. Et c'est pour ça que je veux les mettre en avant, parce que c'est une récompense pour eux. Ils le montrent aux yeux de l'Algérie, que des jeunes joueurs du championnat Mahalli, que voilà, il y a quelque chose à faire en travaillant sérieusement, en étant sérieux. Et l'opportunité aussi à tous les recruteurs de venir se servir ici, parce que c'est l'objectif de ce CHAN. Alhamdoulilah, ça c'était vraiment pour le moral, surtout avant une finale. Balek, c'est ce match-là qui va nous libérer, surtout sur le secteur offensif. Lyoum chafou belli un homme la qualité de chez Sudjo. Voilà, que ce soit sur coup de pied arrêté, sur animation. Donc, c'est bon augure pour la finale. Voilà, maintenant, le premier objectif, c'était la finale. Gonal l'a premier objectif. Le deuxième objectif est final. Les amis, nous